très présent sur TikTok, où il se confie régulièrement, Vincent Queijo avouait récemment avoir perdu confiance en lui. On m'a dit que j'étais gros. On m'a dit que je ne prenais plus soin de moi, que je ne faisais plus attention à moi et que je n'étais plus attirant. Du coup, ça m'a fait remettre en question. Ça m'a fait mal. Et j'ai décidé de ne plus avoir mal. Donc je fais grave attention à moi maintenant, expliquait-il, il y a quelques jours. Ce jour-là, je ne pouvais plus me voir ainsi, depuis plusieurs mois, il a repris le sport. Sur les réseaux sociaux, l'ex de Rim Renon a dévoilé plusieurs stories de son impressionnante transformation physique. C'est le 21 février dernier qu'il a décidé de se lancer dans ce nouveau défi. Ce jour-là, je ne pouvais plus me voir. Je me sentais mal. Je ne sentais plus mon corps. J'étais lourd et je commençais à avoir mal partout, confie-t-il. Depuis, Vincent Queijo n'a pas lâché son objectif. Même si cela n'a pas toujours été facile. Mais il a su trouver en lui la motivation pour ne pas abandonner. Ainsi, la discipline est apparue, confie-t-il. @Instagram ce vendredi 20 octobre 2023, le papa de Maria Valentina et d'Alma a donc dévoilé le résultat de ses longs mois de travail acharné. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses efforts ont été payés. L'ancien candidat de télé-réalité affiche un torse parfaitement musclé. Il confie toutefois, il y a encore beaucoup de chemin à accomplir, à prendre encore énormément, mais on ne va pas lâcher. J'ai su m'entourer de bonnes personnes et merci à vous de me soutenir au quotidien. @Instagram vous l'aurez compris, l'ex de Rim Renon ne compte pas relâcher ses efforts. Bien au contraire, il a de nouveaux objectifs en tête. En effet, il confiait récemment être sur le point de se lancer dans un nouveau projet. Lequel? Il s'apprête à lancer son programme sportif. Et pour ce faire, il s'est entouré d'un vrai coach sportif et de diététiciens. Vincent Queijo va de l'avant des objectifs qui vont permettre au jeune papa d'aller de l'avant après sa rupture avec Rim Renon. Après 4 ans de relation, le couple a décidé de se séparer. Une rupture particulièrement compliquée pour Vincent Queijo qui confiait récemment être toujours amoureux de la mère de ses deux filles. Je m'en veux pour ça, avouait-il récemment à ses abonnés, sur Instagram. Mais s'il a toujours des sentiments pour son ex, l'ancien candidat de télé-réalité a toutefois précisé qu'il n'envisageait pas de se remettre en couple avec elle. Vincent Queijo écrit désormais une nouvelle page de son histoire. Et force est de constater qu'il est plus motivé que jamais. Et vous, que pensez-vous de sa transformation physique ? Just me.